Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Daily. Guys, nous excusez-nous, nous obligés de reprendre vidéo ça puisque pas de gain et son qui est sorti du tout. En fait, nous devons parler des juges ça. Monsieur, c'est un juge Donald Trump metté, c'est l'idée nous là, OK? Et basically nous capable dire monsieur prend d'assaut et gentil ça qui est ICIC, c'est gentil qui chargé pour causer déportation. Lundi, il prend d'assaut, puisque en tant que juge, il a arrogé les doigts pour redéfinir sa politique qui peut être faite en d'institution. Alors qu'il n'est pas un élu. Parce que c'est toujours une différence entre un juge et un élu. C'est un bagage qui est assez grave. Et c'est ça, et semaine ça, la Supreme Court va le décider. Monsieur prend une décision côté qu'il dit que. Il retire décision Mayorkas qui t'a demandé pour que yo déporté dans pays a seulement monde qui posait une menace à la sécurité publique. Pour ne de comprendre bagay ça, li simple. Ou gen 11 millions moun illégal dans pays a. OK? Haïti gen à peu près 8000 moun k'ap travay là-dedans. Donc, dirigeant veut dire qui ça dirige en fait leur élu. C'est prérogative ça qu'on gagne pour décider qui j'en va exécuter. Mais c'est ça le gouvernement fait. Il dit bon, étant donné que ressources que nous utilisons, moyens que nous utilisons, donc nous prenons focus sur des cas qui sont plus graves. Ça c'est ABC. On va dire qui simple, ça va même supposer arriver dans la Supreme Court. Eh bien, un juge qui pratiquement dit bien ça, qui a arrogé le droit que. Lui dit mais ça qui vous faites en dans ici on va en fait qui c'est une véritable aberration, une véritable aberration puisque ça nous les federal law enforcement officiers yo tant qu'on ici yo sous contrôle commande de sanitaire électeur officiel monde qui élu c'est pareil leur arrivé dans state gouverneur là élu et bien ensemble de policiers yo sous contrôle yo OK et maintenant, fondamentale question, hein, et en fait, qui va le décider, ben c'est que Supreme Court va le décider. La vérité, même lorsque Supreme Court là, en majorité, nous connaissons des conservateurs, dans le cas ça, tout simplement, il y a cassé décision, monsieur. Maintenant, le problème, c'est que, c'est pas cassé décision, monsieur. Je pense que, faut gagner une sanction, parce que c'est pas la première fois, monsieur, a fait travail, ça. Son véritable désordre. Nous rappelons que les Biden ont fait. Montel dit il veut camper déportation pour 100 jours monsieur bloqué. Donc son véritable désordre et laisse avoir dans la Supreme Court il prend temps et c'est pas Supreme Court pas supposé en dire casser décision mais empêcher que ces gens de décision de la part d'un juge prend s'il le faut sanctionner juge là. Mais ils sont véritable aberration. Et jeune dou là tout le monde qui gagne une certaine familiarité avec ça nous les Federal Immigration Law. OK. Comprendre que bah ça pas supposé gain litige la donne. C'est bon bagarre qui était supposé parce que fédéral loi dit que secrétaire Homeland Security, c'est lui-même qui est responsable pour établir National Immigration Enforcement politique et priorité. Et ça dit par conséquent Immigration Enforcement Agency tant quoi ici, il est sous contrôle et senior political officiel qui est responsable et des élus pour le président, c'est ça lié. C'est ça que fait secrétaire d'État, secrétaire Homeland Security, Mayorkas, te émet yon memo l'année dernière en septembre, côté que li informe yo que agency sa kalab dirige après le mettre priorité sur enforcement effort pour moun ki pa gen papier, qui pose menace pour sécurité nationale, pour la sécurité publique, border security, moun ki menace le bien-être des États-Unis, c'est ça Mayorkas te fait. OK? En tant que monde qui choisit par un élu et qui passe par devant le Sénat, Sénat votel, mais toute étape li passe. Alors, si pas quelqu'un doit ça qui minimum, mais pour qui ça li la même. Tout de suite, nous, après Mayor Kassé mettre mes mots ça, Républicain Anthony, Texas, Louisiana, y a le devant d'où Tipton, juge Tromplan. OK? Donc, son véritable embarras, ces genre de décision. Donc, semaine ça, Jean Zoula, Supreme Court pour le presser. Parce que ça, vous comprenez, c'est ça, vous me donnez, vous faites un lit. Mais c'est que, en même temps que M. Mettez,
camper décision ça de Mayorkast. Gen d'autres juges qui dit le contraire, qui dit faut que les maintenir comme si vinn gon bataille entre juge avec juge. Comme monsieur lui-même, c'est le monsieur dans capal là qui fait ça, un préliminaire injonction. Ou ça qui gagne ici là qui est un peu drôle, c'est que depuis on juge parler et c'est obéi. L'aime dit obéi, c'est que ou capable toujours faire appel, mais tout autant qu'on peut faire appel pour gagner, obligé obéir avec juge là. Même lorsque juge là fait un bagage qui sont complète aberration. Et c'est là peut-être qu'ils sont véritables. Parce que dans le cas ça, c'est une véritable aberration parce que ça nous est les mémoires. Nous avons cité plusieurs fois, plusieurs pour, en fait, président passé, leur monté ou même, yo bail, priorité par eux, c'était le cas en 2000, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017. Chaque administration qui montait, donc les Donald Trump était monté, lui-même, il changeait priorité à lui dire que tout le monde est déportable. Il dit pas besoin qu'on ait tout le monde net. De nous appelons les de Donald Trump te fait quand il est dans la campagne, il te dit il va déporter 11 millions de monde, même partisans qui ont été en mouille. Son bagage qui est impossible, quand on parle de ressources pour faire travail ça. Vous comprenez? So, vous pensez que l'été est impossible. Ou là, so, parce que une raison qui fait que et secrétaire d'État Homeland Security a supposé bailler priorité. Parce que le Congrès n'a pas de département Homeland Security assez de ressources pour l'appréhender et déporter tout le monde illégal. Même lorsque le table fait ça, est-ce que vous entendez? Ok? Même lorsque le jam de moyen, c'est 11 300 000. Donc, si vous avez 11 300 000, et ou pas qu'à retirer tout. Donc, vous êtes obligé, vous avez un enforcement de priorité. Et ça, y est. Ça va supposer qu'il y a un gros débat. Ok? Et si ça nous relève tout, même Jean Mayorkas gagne ça nous relève prosecutorial discrétion. Un bon simple officier agent ici, il gagne doit qu'un bon monde. Et puis il prend des considérations humanitaires, bien d'autres considérations, il dit bon, quitter monde ça aller. Il a le droit ça, oui. Nous parler de un simple officier. Le pouvoir discrétionnaire. Hmm? Souvent quand dans le passé, tu voyais avertissement par des juges tant que tu pour dire pour attaquer ça n'a la discrétion au niveau de l'exécutif là. Donc voilà, et très certainement, et jeudi à ce mercredi, dans la semaine ça, justement, et Supreme Court pourra le décider dans le cas ça, qui pourra tout simplement être capable de dire restaurer ça n'a l'autorité du pouvoir exécutif, justement, qui a le droit pour lui choisir enforcement priorité lui. Dans le cadre d'immigration. Même penser que c'est après ça, bon bah nous avons parlé de ici là, et qui c'est cancel deportation, il est même entré en application, nous capable parler de ça. Mais pour le moment, bah ça a fait camper à cause de décision monsieur Sagdea, juge de Donald Trump, qui pensait que c'est lui-même qui est en charge de IC, pour lui-même qui peut faire politique et établir priorité. Donc voilà guys, nous te voulons porter update ça pour. Bye bye tout le monde.